fonction chez Schneider Electric est d'être directeur achat, stratégie, innovation et efficience. Donc c'est un poste mondial et il s'agit de développer la stratégie achat en liaison avec en particulier les catégories managers, de développer l'innovation avec les fournisseurs à travers un certain nombre d'initiatives qui sont communes avec la R&D et d'améliorer l'efficacité de la fonction achat. Alors l'efficacité pour la performance d'abord, donc qualité, livraison, développement durable, un certain nombre de choses correspondant aux axes importants pour les fournisseurs, et évidemment l'efficacité au sens de l'organisation, les processus achat. Alors, le rôle de la fonction achat en innovation est très important, dans la mesure où plus des deux tiers, près de 70% de la valeur de nos produits, en fait, vient des fournisseurs. Donc, innover sur nos produits, c'est le plus souvent innover avec nos fournisseurs qui nous apportent les technologies de base. Donc les achats ont évidemment un rôle très important de mise en place des conditions. Les choix sont plutôt évidemment dictés par le marketing et la R&D. C'est eux qui décident de la nature des innovations à réaliser avec les fournisseurs. Par contre, toutes les conditions de mise en place, depuis les phases amont jusqu'à évidemment la réalisation et la vente et les productions série, sont pilotées dans la relation fournisseur par les acheteurs. Donc les acheteurs sont vraiment très intimement liés au processus d'innovation, avec aujourd'hui une volonté d'accélérer en particulier les phases amont, c'est-à-dire les phases de découverte de l'innovation, de sélection de cette innovation, et d'assurer un time to market, comme on dit, le plus rapide possible. Nous évaluons nos fournisseurs à travers un certain nombre de critères, bien sûr les coûts, la qualité, mais parmi les 7 critères importants, un des critères d'évaluation des fournisseurs que l'on partage avec eux, en leur restituant cette évaluation, c'est leur capacité à développer de l'innovation. Donc parmi les 7 dimensions d'évaluation des fournisseurs, il y a l'innovation, et si vous voulez être un fournisseur cible de Schneider Electric, ce qu'on appelle dans notre jargon « recommended fournisseur » ou « supplier », il faut être capable d'innover. On incite nos fournisseurs à développer cet axe, à nous proposer des innovations. Peut-être le point important, c'est en particulier de leur dire « n'attendez pas qu'on vienne la demander », en gros, n'attendez pas qu'on vienne vous apporter une spécification ou un nouveau besoin, proposez-nous, vous êtes des leaders dans votre domaine, proposez-nous des innovations, à nous de voir avec vous si on peut les utiliser. Qu'est-ce que c'est exactement une innovation performante? Évidemment, une innovation performante, quelque part, c'est une innovation qui plaît à nos clients et qui nous permet de développer notre vente ou notre business, et à ce titre-là aussi de développer les fournisseurs derrière. Mais souvent, c'est difficile d'évaluer l'impact réel d'une innovation par rapport à un ensemble d'autres innovations qui apparaissent sur les produits nouveaux. Donc c'est toujours une question un peu compliquée. En tout cas, en ce qui nous concerne, ce que nous évaluons particulièrement, c'est la capacité de proposition pertinente. Autrement dit, on regarde avec les fournisseurs, on regarde un petit peu moins le résultat pur de l'innovation que la capacité à apporter de façon régulière des propositions pertinentes. Ce qui est très important de la part de nos fournisseurs, c'est qu'ils nous apportent les meilleurs, qu'ils soient à la pointe dans leur technologie et qu'ils soient en permanence force de proposition. C'est un vrai plaisir de venir, je dirais, passer quelques heures avec vous et avec tous les étudiants du DESMA, les jeunes et les moins jeunes. Schneider est impliqué auprès du DESMA pratiquement depuis l'origine. Il y a aussi une raison très simple, c'est de faire évidemment mieux connaître Schneider, dans l'optique d'attirer les talents parmi les étudiants qui sont au DESMA. Donc pour nous, c'est à la fois un plaisir et une utilité.